Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Oscar, je suis étudiant en deuxième année à l'IUT Génie chimique, génie des procédés à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce TP qui consiste à faire le vide dans cette cuve à l'aide d'un éjecteur de vapeur. Faire le vide, c'est très important au niveau industriel, notamment en agroalimentaire, si l'on veut par exemple faire bouillir des liquides à basse température pour garder toutes leurs propriétés chimiques. Nous allons utiliser un éjecteur de vapeur qui, comme son nom l'indique, va éjecter de la vapeur afin d'aspirer l'air. Dans ce TP, nous avons aussi un phénomène qui est très joli. Nous allons pouvoir observer ce que l'on appelle le point triple de l'eau à l'air d'un tube de Venturi que nous avons installé, qui est donc un tube large aux deux extrémités et fin au milieu. C'est un événement qui est assez joli et assez particulier aussi parce que l'on peut voir l'eau sous forme de vapeur, sous forme liquide, donc comme telle qu'on la connaît, et sous forme de glace. Venez avec moi derrière, je vais vous montrer. Maintenant que nous avons vu tous ensemble ce phénomène physique, je vais vous expliquer pourquoi nous l'avons mis en évidence sur ce TP, car c'est une chose que nous ne voulons pas au niveau industriel. Ici, on nous apprend ce que l'on veut et aussi ce que l'on ne veut pas. Donc maintenant, si vous voulez expérimenter ce TP, savoir pourquoi nous avons ce point triple de l'eau présent ici, ou même essayer tous les autres TP présents autour de moi, je vous invite à nous rejoindre. J'espère vous voir très bientôt.